Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve en compagnie de Macrentor Et tout le monde. sur Europa Universalis 4. Et c'est ça. Allez, on enlève la pause. Voilà. En fait, je regardais un truc, comme je disais à Sirikai, pendant le lancement de la partie. C'est vrai qu'en fait, j'ai 527 de développement. Jumpur, qui me fait grave peur, il est à 187. Donc c'est qu'en fait, je suis un peu gros bill, quoi. Gal. Pote avec Bengal. Comment dire? Je crois que Bengal, avant qu'on soit pote. Le Ming, il m'enlève comme rival, il me met en rival juste après. Normal. C'est-à-dire que le mec il claque 100 points de pneumatique Il a enlevé, pour il a mis. me remettre en rival. Ouais, bon, moi j'ai le Timuride qui m'a rajouté, donc j'ai Jaunpour, Timuride et Ming. Ça va quoi? Timo il a vraiment rien à foutre, hein, d'autre. Ming, ouais. Pas mal, il t'enlève vite, remet. Sinon, c'est peut-être qu'il a perdu le statut de rival ou un truc à la con. Oui, peut-être. Ma flotte, les finances. J'entretiens ma flotte, ça fait quoi? Ça va tirer le siège, avoir la flotte de guerre devant. C'est quoi? Oh putain. Tac tac tac. Ok. Allez, on se... Il a réparé un Oh, cran. les colonies qui montent lentement, c'est l'horreur ça. Ah, les colonies, c'est un truc. Tu connais pas. La flotte, je la rends taisée, je la ressors à chaque début de mois. Quelle raison? Pour la réparer. Ah. 55%. Pour les économies, parce qu'elle était en mode. Mais bon, Borissa qui m'offre la paix, comment dire? L'émission, Rival for Rival. C'est Rival. Bengal, mais. Bengal sera. Ah, Bengal pourrait être pote avec moi, bon. Pourtant, l'autre, je l'ai défoncé. Se faire chier les gars. Une blague. L'inconvénient du oh là. L'inconvénient du Japon, hein. Merde, le Bengal, ouais, j'ai pris la mi. Le Bengal, j'ai pris la mission, tu sais, être pote avec le Bengal. Je regarde, je vois plus 21 de... plus 18 de réputation. Je vois, cool, il va me kiffer. Il va me kiffer, le mec et tout. Sauf que j'augmente, tu sais, j'envoie un diplomate pour Ouais. augmenter le truc. Et tu Et un mois après, il me dit, t'es au maximum, tu fais comment ça, je suis au maximum. Ah ouais, d'accord, j'avais déjà claqué tous mes points. Bon, bah. On va dire la mission avant qu'il soit pote avec moi le Bengal. Oui, il y a le temps. Ah, exactement. T'as les colonies qui grandissent 3 mecs par 3 mecs là, ça va? On va le donner à. Elles font des colonies? Elle monte Oh là lentement, trop lentement. là. Hop. Encore, voilà. Ok, on sort le truc. Elle. Ah, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus ce que je vais faire. L'autre, le missionnaire à Candy. Et de Candy. Ah oui, mettre un rival. Le Timuride. Le Timuride, moins 14%. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais plus tu as de prestige,
moins l'expansion progressive augmente, l'expansion progressive est diminuée par le prestige que tu as. Oui, exactement. Par contre, moi, le prestige, moins 2,52 par an, pourquoi? Ah oui, le decay, ok. Moi, c'est simple, c'est plus 0,8 par an. C'est comme ma partie, il y a certaines parties où en fin de partie, avec par exemple les états papaux, je me retrouvais avec plus, je sais plus combien, plus j'étais à 100 et... Ah oui, il y a une coalition contre moi, c'est vrai. Elle est avec... Ouh, c'est beau ça. Éclair avec un Gujarat et je me tape jaune pour dans le groin, faut que je booste mon armée un peu. Ah ouais, surtout que... Et je crois que le manpower, je suis à la rue. Surtout que c'est pas les petits, hein. Et oublie pas que t'as Bastard en vassal. Ouais, je suis en train de l'annexer. Pas Manis. 1500 une claim sur lui. 531. Ok. T'es où toi? Tu penses à augmenter ta réputation avec moi? Notre expansion agressive à la con tous les deux. Bah quoi? Pas bien. Parce que je crois qu'aussi l'expansion agressive est impactée par le. Par quoi? Par la distance? Par Je te le. rassure, j'ai pas d'expansion agressive avec toi. Non, mais par le, la relation qu'on a. Et si on est dans la guerre ou pas, je crois. Oui, c'est vrai. Les alliés ont beaucoup moins d'expansion agressive entre eux. Dèche. Là, la mission en dessous, tu dis un point de développement, mais tu dis oh, je prends lequel le point de développement? Dèche, c'est une province là qui appartient au Pécor. Manpower donc. Oh, par contre, j'ai vu la vidéo de Flory Wory. Le mec, quand il joue avec les estates, il a une maîtrise des estates. C'est assez impressionnant, quoi. 0,25. Non, non. Le trésor, c'est pas mal. Alors, mais entre... Donc, Ils sont jamais contents ces gens-là. diplomatique plus 1, on prend, ça permet d'annexer plus vite. Malwa, on va. Et... Ah oui, c'est vrai que la coalition, je regarde, il y a qui dans la coalition? Il y a que Gujarat et Jaunpur. Général, quand t'exploses Non, une il y a des coalition, n'oublie pas que c'est... Bangladesh. N'oublie pas que t'as une trousse de 15 ans, hein. Donc ça te permet de diminuer... ça te permet d'avoir un petit peu de repos. De répit plutôt. Ah bah Manis qui a rejoint une coalition contre moi. Brave. Bah quoi? C'est le truc là, l'OPM qui est au milieu de mon territoire. Tu vas pas encore péter la gueule? Dommage, Il j'ai a cru pas que j'allais d'alliés, hein. sortir. Non, il reste plus qu'une province. Bon, ben si, il est dans la coalition contre moi. Ouais. Ah oui! Directement, il en a un peu plus d'un coup, des Ah alliés. oui, Bamani, Delhi. Par contre, Aïe. je vais commencer à me construire mes canons, moi. 10, 4, 10. Bon. On va baisser l'entretien de l'armée. On va couper l'entretien des forêts, ils sont déjà coupés. Aïe. Bon, on va se regarder quoi sur internet? Je sais, je vais me regarder quoi sur internet? Bah, YouPorn. To Glow One Cup? Normal. Ah, tu bandes, chérie. On regarde ici. En même temps, déjà tout à fait. Ah, t'entends les conneries de ma copine ou pas? Ah oui. Sur le micro. Attends, t'entends les conneries? Oh oui. Ils entendent tes conneries.
J'ai forcé la paix entre mon vassal et puis ben, enfin, mes deux vassaux, histoire que je n'en ai pas un qui se fasse annexer. Mais je suis en train d'intégrer, c'est moi qui l'intègre, personne d'autre. Tiens, c'est quoi ces manies là? Donc il te reste qui? Ah oui, il te reste plus que Ozakawa, Takeda. Ozokawa. Bon, Ozakawa, si on te refait une gare. Eh? Par Otomo. contre, il y a Liberty de. Ah, j'aime bien la Liberty Zard. Ozakawa, il baisse. J'aime bien la vitesse à laquelle ça baisse. Hein. Faut dire qu'il reste de. J'ai regardé, il est à 36, 25-6, 25-5, 25-4. Ah oui, il se tape des Voilà rebelles. ça. Et donc automatiquement, ça le détend un petit peu. Les autres. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? La Renaissance. Ah oui, la Renaissance, ouais. Colonialisme. Oh, c'est comme ma partie avec. Ma partie avec Cuba où je me retrouve. Ah, ma partie avec Cuba où je me retrouve, comment dire, le colonialisme qui est plus développé que l'autre. Quel c'est l'autre d'ailleurs? Ah. Développer mon armée, ça va être pas mal ça. Tu vois, une bonne nouvelle, c'est que moi j'ai le colonialisme qui proque chez moi. Ah oui, ça c'est toi qui l'as déclenché! Beauté! Ah non, arrête de dire du Cyril Hanouna là, t'as pas de faire ça. La référence. Ah oui, mais moi je veux pas le blairer ce mec. Tadmiso. Ah. Message à tout le monde, je n'aime pas Cyril Temporé Hanouna. bastard. Et c'est pas content, vous voulez me tuer, prenez un ticket, faites la queue. Les Maldives. Faudrait que j'aille les défoncer, il me saoule. Ah, quoi que ça, que les magies permettent de rayonner ici après. On va peut-être aller faire ça. Allez, on va faire ça au moins. Ah, j'ai pas de. Avec le Japon. Ah, Gujarat a quitté la coalition. Delhi aussi, donc je pourrais les mettre sur la gueule de Gujarat. Peut-être pas Fais mal. gaffe quand même. Bon, ouais, tout le monde est en train de quitter la Ouais. coalition. Bangladesh quitte la coalition. Donc je pense que la coalition, je me pour à quitter. Donc je crois que la coalition, maintenant, il n'y a plus que. J'arrête et Entre Mamani. moi dans la coalition, il n'y a plus Mamani. que. Ah, Manis. Déplacé. Ah, j'ai pas de diplomate à envoyer, donc je vais le rappeler de chez toi. Par contre, fais quand même attention. Déclarer la guerre à Fais Bamanis. quand même attention à une chose, c'est que si tu déclenches la guerre immédiatement, n'en bouffe pas trop parce que sinon tu vas voir tout le monde qui va s'y remettre là. Ah, mais il n'y a que Bamanis que je vais gober. Il est tout seul dans la coalition. Donc. Sinon, est-ce que je devrais attendre? De récompense des tu tab des Hop, on va prendre ça. diplomatique parce que là je suis niveau technologique 5 en diplomatique, 9 en administratif, 8 en militaire. Ah toi c'est déséquilibré? Donc pédago. Ouais. Moi c'est 8, 4, 6. 0,13 d'une balance de recherche. Aïe. On va la corruption. Mal. T'as combien de corruption toi? Qu'on rigole à beaucoup. Donc en 2 petites secondes, je vais dire ça. Corruption, j'ai 4 pour l'instant. Ah, c'est doux. Enfin, 3,25. Et je la fais baisser un petit peu. Moi je la reste en stab. Mais comment t'expliquer? Pas mal. Elle reste stable, bon le problème c'est qu'avec le Japon, avec toutes les guerres, tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur du pays, tous les ventes de merde, ben je suis vachement endetté. Du coup elle a 29. 29, t'es un grand Ah bah malade. oui. Mais c'est un avantage! L'avantage c'est National Unrest, moins 8. Une corruption élevée, ça fait baisser l'unrest. La corruption qui baisse le Ouais. reste? Ah Je suis à moins ouais! 6 d'unrest. C'est un des rares avantages de la corruption. D'accord! Je vais me mettre sur la gueule des Maldives aussi.
Oh, faut toujours ça. Hein. C'est moi savoir ça. Je suis pas sûr qu'il me hantait là. J'irais bien taper sur la gueule de Gujarat, mais Gujarat t'es allié avec Jumpur. Avec Jumpur, mais Jumpur, j'ai pas de lien avec lui. Ah si, je peux le taper par. Le taper par là-bas. Si, par Bastar. Off Gondwana. Ouais, mais Bastar, je suis en train d'annexer, mais surtout, il a un bout de territoire. Genre, je peux. Jumpur, Paranasi. Est-ce qu'il a un territoire à la con pour prendre. Voilà, en fait, je prendrai. Ah non, Lord Hope, c'est qui l'a? C'est Bundelkand. Bundelkand, il existe? Oui. Il existe. Non, faudrait que je trouve un endroit pour. Ouais, j'ai pas tout. Sinon, tu sais, faudrait que je trouve une. Ah si. La barque crèche là-bas. Donc, je prends. Patna, Varanasi, Gorpur et Bardresh, et je pourrais relâcher Oud comme province pour gober là-bas. Donc je regarde combien ça me coûterait. 14. 1. 1, 16, 47. Ah putain. Gros. Oh, bah non, j'aurais ça en territoire que je pourrais courir directement. Ouais, j'allais me faire vite fait l'autre pécor là-bas. Entretien l'effort. Entretien de l'armure, on va mettre ça au taquet. Et voilà, bim. Hop, on va plus comment. Allez, un coup de colonisation, ça va faire du bien. J'aime taper les sauvages pour leur prendre leur pognon et leurs ressources. Donc... Ça, des fois, ouais. Surtout en Amérique. Surtout aussi en Asie, hein. Bon, je vais annexer notre pays du corps. Puis déclarer la guerre. Petite seule incolition, mec, il y a perdu rien. Non, mais. Des fois, tu sais, ils ont des trop grosses ambitions par rapport à leur capacité. Wipe. Elle. Il se paye les porcs. Et pendant ce temps-là, on va rebaisser l'entretien de l'armée. Oh, je suis positif avec mes deux colonies. Ouah. Je parle de la thune. Positif d'un point de vue. D'un point de vue financier. Et nous luttons contre la corruption, moins 0,02 par an, ouais. Plus 0,03 par an. Ah mais c'est la recherche unbalancée, moi qui me... Ça me pourrit ça aussi. Et heureusement que mon leader, il a le trait quand même incorruptible qui fait baisser de moins 0,05. Hein. Ah ouais, pas mal. Moi je sais pas ce qu'il a le mien. Le colonier. Non, moi c'est. Ah oui, j'ai mon roi et son héritier qui ont le coût du. L'institut de guerre moins 0,05. Parce que mon héritier, il a des claims faibles. Ah, le mien aussi, là. Les... Mon roi, il a 59. Il là. A. L'institut de guerre moins 0,05 par mois. Et là, coût des idées moins 5% en plus. Ça. De marre, hein, c'est pas trop grave. J'ai pas de thunes de façon pour acheter des navires.
Tu n'oublieras pas, mon cher ami, de surveiller le timer. Hein. Je l'ai fait pour une fois, regarde. Et t'as entendu le super meeting ding? Donc Et voilà. voilà. On va s'arrêter là. Les gens, on vous dit donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le Ouais, monde! salut tout le monde.